Bonjour, bonsoir amis internautes, ça va dépendre les ou regarder vidéo ça. C'est un plaisir pour moi pour monter la caillou pour me porter une baou, une nouvelle émission. Commissaire Jean-Ernest Miskade frappé, je le frappe encore. Ça fait longtemps nous pas attendre commissaire Miskade parce que lui font poser, lui dit mais lui pas bail vague. C'est bandi qui rentre dans tout yo, lui même lui pas pour qui raison. Pour la marcher des bandits parce que bandits ont été dans tout le par contre côté bandits ont été bandits opposés et bandits ont pas rentré sous Jédis Opal. Mais hier, commissaire Jean-Ernest Miskade a une antenne sur un individu. Next, on va regarder sur l'écran là, Lirele Mora Junior. C'est un jeune garçon, ça on va regarder là, qui joue le mol en babal. Commissaire Jean-Ernest Miskade, vendredi 13 octobre 2023. Tout ça prend deux balles dans le commissaire Miskade. Une balle qui prend la tête, ça veut dire que le commissaire a gagné ce bel monsieur. Et une autre balle qui prend dans l'épaule. On parle après, il y a un juge de paix qui fait constat cadavre là. Et ensuite, selon enquête qui menait, selon déclaration commissaire Jean-Ernest Miskade, monsieur t'a impliqué dans casser plusieurs dépôts dans juridiction Miragouane. Selon ça, yon sous fiable fait nous connaître. Et action ça passé dans 4e section dans une zone qui est Saint-Michel qui trouvait Miragouane dans le département Nipla. Et tout ça, c'est sous national numéro 2. Commissaire Jean-Ernest Miskade, mais qui s'est menté, je dis ce parle là, c'est cimetière lié pour tout le monde. Elle pouvait ça. Deux balles, une dans la tête, une bon épaule, monsieur, il fait vrai pour payer, pour payer ce chapeau. Pardon. Et Mora Junior, on a regardé un jeune garçon. C'est notre information spécialisée. J'aime dire nous là, dans le cas de plusieurs dépôts, dans le juridiction de Miragouane, si ça veut nous connaître, il n'y a pas là encore. On regarde les qui tombe, il y a un tennis noir et blanc dans le pied, il y a un bout de pantalon sous lui, il y a un maillot qui a trois couleurs, rouge, noir, bleu. Il tombe, il est couché sous le camp, la tête est écrasée en bas balle, elle prend une. Bon, et Paul, c'est mouri. Il fait le grand voyage et nous connaît commissaire Miskade, papa et puis yay. Depuis qu'on connaît ces gangs, ces couillés. Depuis qu'on connaît les mafia, vous pensez au pral bon, ce commissaire Miskade, on fait erreur. Ça fait longtemps, nous pas attendre commissaire, il y a qui pensent, oui, commissaire Baye Vague, mais non, commissaire Miskade, pas comme Baye Vague. Commissaire Miskade, ça qui est arrivé, ben dit, vous faut poser et puis tout le poser tout. Est-ce que vous comprenez moi? Les gens disent, vous posez, vous posez. Mais les gens disent, à faire des ordres, dans le juridiction par là, la mettez dans le jeu. D'ailleurs, nous connaissons, commissaire Miskade, très difficile pour commissaire Miskade arrêter un monde qui se gang, qui vient de long. Non. Commissaire Miskade va arrêter pour ça parce qu'il dit, les larrêtons yon individu, souvent, il y a dans l'État, dans la justice là, qui toujours libère moun sa. Femme tout bien. Il y a un message qui vient de moi. M'bral dit qui ça, qui écrit, le texte, message ça qui vient de moi sur le téléphone. Et message ça, il est viral sur le réseau. Et moi, j'ai une chance de jouer un fanatique, un ami, qui arrive vraiment spécialement. Il commence comme ça. SOS. SOS, SOS. Attention, attention. Population dans Delma 31, 33, Delma 41, Delma 45, 65, 71, 46, Delma 75, Delma 83, Jacquet, Publin, Fosté Premier, Catalpa, Kasayol, Silo, gang, bandit, décidé. Pour tout le monde, mettez Delma dans le show. Semaine qui vient. Vous chargez une stratégie. Depuis quelque temps,
yo marché pour un caille côté. Attendez bien oui. M'appli yon message qui arrive jeune moi sur téléphone moi. Il dit depuis quelque temps yo marché pour un caille côté chantier campé. Au soir caille qui vide cause met caillou pas là. Qui donc yo déjà sous place attend mot d'ordre pour yo déclencher une coquine opération ratibrasay nan Delma. Ve en haut, ve en bas. Suive moment, ni dit, suive mouvement tout inconnu kap rentre sorti nan zone nou. Nan jou sa yo pral gen en pile attaque kidnapping sous l'église ak sous l'école. Youn nan premier l'école ki sous liste c'est yon l'école nan zone l'hôpital Espoir ki rele les Olivier. Bandi planifié yon attaque. Li di avec yon spectaculaire sous l'école si la nan mitan journée tiré sécurité yo et puis parti à kepot 20 30 élèves à tout professeur. Faut vous bien sûr c'est un texte qui rejoint moi m'appelle j'aime na écrit là. Action ça a planifié depuis quelque temps. Bandi a tout fait envahi yon kay ki nan do l'école les Olivier ça. Yo assassiné gardien et puis disparaître li. Yo gen contrôle l'école là matin, midi, soir. Yo gen yon ancien employé nan la cour l'école là qui révoqué ka servi yo comme antenne. Li di c'est li ka ba yo toute information sous élève parent timoun professeur ak directrice là. Kay sa sous côté kay yon ancien porte-parole PNH qui rele Michel-Ange. Ou ça t'a semblé moun ki écrit message ça li connaît cette ça parler a. Mais nous connaît baka bagay yo à la légère. Li rive joine moi et puis tout m'a fait le passer sur plateforme pam nan qui c'est production 509 d'ailleurs nous sur Facebook nous sur YouTube. On continue. Li dit yo habitué vinn serre moun yo kidnappé la journée nan Delma nan kay si la et puis là nan nuit yo mené yo peigné à croix des bouquets yo kon vinn serre machine yo volé tout nan la cour et puis yo dépatcha yo pièce par pièce pour al vann plein pièce machine dans la cour. Ça veut dire mon nan kon sa parler a li kon wè. On nan kay la gen gros am manche long depo munition ak stock marijuana. Toujours gen bandi fòm ak gason kap rentre soti. Bandi volè yon kay nan Katalpa tout et puis yon lot nan Kasayol ki tout près maquette kay George ki trouvel le vagon sou bralé silo. C'est un message fòm di bien ça m fini là ki rive jwenn mwen et konnen nan peyi d'Ayiti tout est possible. M di si mesè sa ap sikile sou rezo a yon zanmi yon fanatik ki fè rive jwenn mwen konnen. Mais ça, lui, je n'ai pas le monde. Nous connaissons, dès nos jours, nous ne pouvons pas faire la légère. Bandi Belé, besoin de prendre Delma. Bandi Vitelomio, envahi Delma, il besoin de prendre. Bandi qui trouve le tabac, et même avec Vitelomio encore, et puis tout, Bandi Canarayo, il a besoin de prendre plus de territoire. Ma demande pour prier,
parce que là on met ça comme ça circulé qu'on n'a pas qui parle. C'est tout, mais catal pas. Zone ça, son zone qui charge inconnu la donne. Voir qui est ce qui est dans zone ça yo. Et zone ça, il est vraiment complètement difficile les soirs pour passer dans zone ça pour m'aller par rivo. Oui. Dès 75 de nos jours kidnapping c'est là yo fait. Même Jean Messier a dit dans Delma 31 nous connaissons plusieurs kidnappings qui fait à répétition. Delma 33 sont là comme ça bandi au passé yo levé moun. Delma 41 c'est papa le coup de balle a pété. Delma 45, Delma 65, 71, 46, Delma 75, Delma 83, c'est chaque temps toujours jouer le monde acte à qui ont mouri. Jacques Piblé Fausté premier lui-même gien pile mauvais geste c'est ça message à faire connait. Catalpa, Kasayol et puis dans silo, nous songe silo c'est là te gayon un soldat FADH qui te perdu la ville dans silo et jusqu'à présent l'a glacé dans mog famille pas gain l'argent pour ta faire enterrement. Li gen yon mois de kadi yon mois avec 14 jours dans mog même ministre de défense n'a pas prêté 10 doigts pour ta dit y a aidé famille faire enterrement. Comme ou bien bagarre pas aussi facile là nous jeune message ça comme ça pas que belle pour nous partager message parce que Haïti son pays spécial. Haïti son pays difficile. Fond bien là hier dans Delma 31 gain négatif en face DGI gion nèg qui tombé nous on qu'est-ce qui tire monsieur prend plusieurs balles il gion bouchot sous lui un bouchot à fleur qui c'est blanc et bleu marin il gain un boxer bleu sous lui et c'est bleu ciel oui bleu ciel il gagne un maillot noir tête misé calé et plein bab il tombe sous dos et il mourit par balle et selon monde qui a filmé vidéo il dit misé recevoir il dit misé ta recevoir plusieurs projectiles il fait vidéo il partage avec moi et moi même pour me ba nous nouvelle là. Ça veut dire là, bandi yo besoin prendre Delma, même jamais ça a dit ya. C'est mot d'ordre bandi yo a prendre dans mes chefs yo pour faire yo sel pour te bouer. Même connaît Delma pas aussi facile. Delma chargé police la donne. Delma chargé ti monsieur FAH la donne. Grand pile militaire dans là et qui trouvé au Delma. Ce n'est pas arrêté là, quoi souvlé. Y a monté sur les sif. Malé rendez-vous dans prochaine émission. Pour nous venir traiter un autre dossier Fabli Channel ça, c'est Production 69. Nous demandé pour vous like vidéo ça, abonner à la channel là, peser sous cloche notification, retirer sous personnalisé mettez sous tout pour les nouvelles vidéos pour rater le commenter. Rendez-vous dans la prochaine émission. Oui, bonjour monsieur. Oui, bon, là, je vous pour nous rallier par la vie. Parcours de tous les documents, il y a un chemin qui t'a parlé avec moi là, il dit bon, c'est vrai, bon, pratique. Il va falloir qu'on retire les pages de documents qu'on a rapport. Mais je dis, moi, je dis, ces pages-là, c'est une page qui sort dans le document de la CDJA, donc le sang n'a pas trompé ni parquet, ni jugeant. Ok? Regardez ce micro qui a ouvert. Oh, gag. Oui, alors, Chabet, là, qui t'a parlé avec, pour dire que ça arrivait, il y a des greffiers. Alors, on va parler de dossier ça, non? Vraiment, parce que nous ne connaissons pas si ça fait. Qui qu'on a retiré des pages dans le rapport de CPJ, voyez, by Parker, etc. Mais le ça. Il n'y a pas trompé ni parquet ni juge d'instruction parce qu'il n'y a pas besoin de document, il n'y a pas besoin de page là-dedans, il mettait une page blanche là-dedans. Okay? Mais il dit que dans le cas ça, dossier n'a pas l'air là,
parquet est demandé pour voyer à le juger de prêture de oui, tribunal de criminel. Mmh. OK, et il était demandé libérer Jean-Marc Cheville. D'après le gars, d'après regarder là, c'est moi ça là, moi pas beaucoup qui t'envoie là. Non, non, oui. Donc ça veut dire, monsieur dit, si parquet est agi comme ça, c'est que le document n'a mal. Oui, ça veut dire, le dossier a dérivé correct n'a mal. Donc, monsieur dit, non, page 18 et 20, paquet regardé. Donc, monsieur dit que, donc, on travaille qu'a fait pour retirer et focus là, alors pour mettre focus là sur le DCPJ. Donc, mais selon les mêmes, si parquet t'a demandé pour voyer de prêtre à le juger, c'est parce que le travail ou un document ou bien rapport de CPJ a éléments pour ça. Oui, t'es bail assez éléments. Donc, c'est peut-être ça que nous t'ai souhaité seulement ajouter. Mais nous dit que Jean-Di Adjoné nous font camper sous le dossier ça en attendant que la Cour d'appel lui-même lui décide. Sur qui ça qui a fait, est-ce qu'il y a Kimbe et ordonnance juge Martel Jean-Claude Lan ou bien est-ce que il y a retourné bah y a l'autre juge pour capable mener enquête là. Donc n'a pas été tonne, mais tout simplement la nation attend pour qu'on ait qui est-ce qui t'est voyé Zamsayo et qui est-ce qui t'a paré tant mieux pour qui est sauté. Ouais. Oui, ça seulement nous besoin qu'on ait. Et puis pour Mario, pour Crab. OK? Seulement ça. OK. C'est pas un bac, écoutez comme ça. OK. Eh bien, Johnny, n'a pas rentré dans le journal là. Nous t'ai partagé déjà information ça qui gagne pour avec délégation OEA qui t'a doué renew dans comme un Wanamètre pour aller fournir regarder travail et construction canal là sur côté rivière Massaclan. Décision ça qui adopté pendant une réunion qui déroulait hier jeudi en côté ambassadeur haïtien dans OEA Léon Charles qui ministre affaires étrangères dominicain était présent. Léon Charles qui plaidait pour construction canal là continuer puisque selon lui c'est un droit peuple haïtien gagné pour utiliser ressources ça en un respect accord 1929 l'an. Et gagné sénateur dominicain ça qui dit République dominicaine perdu bataille là elle décidé l'ouvrir frontière sans construction canal là pas campé déclaration sénateur dominicain David Sosa Senado sénateur d'Arabonne fait connait ouverture frontière là c'est un échec pour président Luis Abinader dans décision discriminatoire il était prend contre haïtien. Et puis, il y a le Premier ministre Ariel Henry qui rencontrait une délégation aux Nations Unies mercredi passé. Délégation ça, il y a en tête lié sous-secrétaire général des Nations Unies chargé Europe, Asie centrale et Amérique dans le département des affaires politiques et consolidation la paix. Chef gouvernement avec la délégation onusienne a évalué la situation pays à la veille, déploiement, mission multinationale et préparatif qui t'a dû faire de bon côté. Haïti pour recevoir force là. Gaye, même besoin de question, comme si vous avez des informations, comme si mission bien organisation, bah on est, oui, l'équipe qui a venu là, il dit, faut qu'on a la campagne, qu'on a la campagne. Qu'on a la campagne. Non, c'est gardé, on a gardé. Non. La voyons, oui, qui va. Oui. Mais regardez, est-ce que le travail a bien fait, est-ce que nous respectons ceci, nous respectons cela, ça? Mm-hmm. C'est une bonne information. Oui, 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 oui. On prend un cas de figure côté a décidé de dire bon, Gomba qui va respecter là pour nous camper. Même pas appelé qui dernière fois. Non, pendant il y a pas le vérifier 11 canal par dominicain auto. On part en débat comme ça et des pas ici. C'est pas nous qui concerné. C'est pas ici à venir, bail. Non. Bon, il a toujours venu, une fois un coup d'œil, une fois regardé. Même pas appelé qui dernière fois où a été tu viens sur vision, tu viens sur vision bas la carrière et conclusion des soutiens faveur pays alors. Gabriel, l'autre citoyen a raison. Oh bah on connaît. Il y a plusieurs façons de manger mais on ramène. Abinader qui a passé vivre. Non, mais citoyen a une grande difficulté donc tous les coups sont permis. Non mais ça pour mon Dieu connaît. Moi même m'a dit mon Dieu ça c'est moi même pas faire blague ça au confiance. Non mais bon ça pour mon Dieu comprendre que et slogan toujours Kimbe
Oui, canal la pape campé. D'ailleurs, ouais, nous fait République Dominicaine retourner sur décision le déprend. Ouais. Il demande pour camper canal là pour frontière l'ouvrir. Ouais, mais nous pas camper mais l'ouvrir. Donc on va quoi c'est OEA qui va le faire nous camper. OEA 14 jours bail. Non, vous dire OEA venir, il va venir garder, il va venir. Non. Il va avoir suffisamment d'informations sur canal là. Et tellement vous préoccupé avec nous comme ça. Plutôt, et apporter contribution par nous. Ah, parce que vous avez un chèque. Donc, vous avez fini le canal là plus rapide. Plutôt, le vide avec un chèque pour nous, vous prenez, pour le canal là qui a continué. Vous prenez, c'est ça qui a plus bon. Ok, donc nous avons un petit problème technique là avec extrait sonore. Nous sommes beaucoup capables de joindre. Dans un vide, il y a une visite. Non mais on connaît canal ça. C'est un site lié. Oui, canal ça. Touristique. Oui, c'est ça le baltonné, oui. Oui, c'est ça le baltonné. Il y a une visite, blanc a une visite. On va voir. Donc que je viens guide qui vous explique. On va mais qui ça ici un café, elle met tête ensemble. Oui. En tout cas, oui, ah bah oui, canal là pas campé. On prend non pas gain campé. On prend pas gain campé. Oui. Je dis oui à marcher avec camion ciment. Camion fer pour nous. Pour nous finir avec canal la plus rapide. Oui, la pété non. En tout cas, comme on parle créole, je dis Léo Charles Foncou. C'est Léo Charles qui ambassadeur dans l'autre bord. Oui, non, oui. Vous êtes permanent l'autre bord. Pas joindre des vidéos non. En tout cas, Léo Charles font bon coup. Si comme directeur la police. Il est descendu dans l'eau, mais ils font quoi? Ils font quoi? Et pas jeune. Ok, maintenant, il y a une médiatrice, papa, mais pas là pour donner arrêt de travail. Ok, là, c'est pas là pour chercher, mais comment on dit? C'est jouet ou mis en jouet. Elle dit, là, pour regarder comment le cas. Non, oui. Sinon, bon, si le cas vient pour le venir superviser, le venir garder, il y a une conclusion, tout. Mon rapport, là, pour le faire. Eh bien, on dit dans le rapport, elle dit comme ça, ça qu'a fait là, va respecter ceci, va respecter cela. Elle va dire, il va là. Oui, non, mais est-ce que c'est. Qu'on y a là, est-ce que qu'on y a, nous va le suivre, recommandation, ou bien qui force, recommandation, et qui pourrait appuyer, ça, sur l'autre débat. Mais si elle vient superviser, si elle vient visiter, il y a un rapport, elle va le faire, bah, supérieur. Vous comprenez, Louis Salmago, vous dites ok, nous t'es allé sous canal là, mais ça nous est, et mais qui ça recommandation vous voyez. Mais on dit recommandation pas aller en faveur nous. On a passé avec Dominique avant pour aller regarder qui ça va aller. Aïe. En tout cas, nous t'as dû regarder ensemble déclaration ambassadeur Léon Charles. Après ministre affaires étrangères République Dominicaine a défini de parler, donc Léo Charles lui-même lui était parlé et comme ça on a regardé comment ça était. La délégation haïtienne s'est rendue à Santo Domingo en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ses considérants, il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, les agriculteurs de la plaine de Bamaribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier officiel de Darabol Mohamed. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend.
le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain, mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain, n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, les manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Il condamne fermement leur récente décision d'agrandir le canal de la Vigia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources en eau partagées de la rivière Massacre, conformément au terme de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays, car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité subventionné. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions. Voilà, donc on dit extrêmement qu'il y a une déclaration, même parce que Léon Charles il est vraiment clair dans la position l'État haïtien par rapport à Canal là. Il dit que Canal là pas campé. Ouais, et français a dit, il dit en français. Oui, il va pas s'arrêter. Oui. Donc, Canal a pas campé. Et c'est position Haïti. Et moi, dans le discours là, Léon Charles, il reprend, et Johnny, vous songez ça, il reprend accord qui était signé entre deux pays. Yo. Et que Dominicain a décidé de passer en papier. Côté que vous êtes d'accord que
construction canal là pas gagné ou du moins il pas en désaccord avec accord traité qui traité qui signé entre deux pays. Ouais. Peut-être là il fait référence à la déclaration conjointe. Yes, oui, qui signé en mai je crois 2000 en juin. Oui, oui, le début les reprendre. Les reprendre. OK. Bon on va regarder pour nous parler rapidement avec et mettre Mesmi Marie Fleurant qui lui-même gagne quelques précisions qu'il est après aider ouais là par rapport à question visite ou bien délégation CARICOM qui t'a doué pas CARICOM plutôt OEA qui t'a doué aller Noirmont pour regarder travail et construction rivière Massaclan donc mettre là qui dit que yon médiatrice pa gen pour ordonner arrêt travaux yo. Oui, mettre Mesmi Marie Fleurant n'a pas appelé aussi avocat dans barreau for liberté docteur en droit environnemental ou t'a partagé au micro avec nous là quelques informations qui gagnent pour avec contexte déclaration secrétaire général OEA. Et ou préciser pour nous que Haïti c'est membre organisation et à titre ça et c'est à titre ça donc Haïti t'est participé dans réunion ça que République Dominicaine t'est mandé c'est ça. Oui oui. Alors qui ça gagne faut nous ouais contexte là et faut nous ouais tout qui ça sorti en dans réunion ça. Et réunion ça c'est République Dominicaine qui t'est mandé, son réunion extraordinaire conseil permanent et organisation état américain qui t'est fait Washington. Moun qui t'est déplacé personnellement vient défendre dossier pour la République Dominicaine, c'est ministre affaires étrangères même Roberto Alvarez. Monsieur ça paraît, il fait toute déclaration, il dit même bagaille que il a fait un travail qui dommageable, que canal là doit camper, que canal là pas bon ni pour you, ni pour Haïti ni pour la République Dominicaine. Monsieur Baba, il y a un bagaille pour nous aller plus loin là-dedans. Ça a été la réponse ferme de ambassadeur Léon Charles. En cas de ça, c'est pour la première fois que le gouvernement haïtien, que l'État haïtien, parce que monsieur a représenté l'État haïtien, prend des décisions aussi fermes. Côté que les condamner toute menace, toute intimidation que la République dominicaine a fait sur Haïti. Ça, c'est important. Les condamner encore devant Assan, devant, et disons, Conseil permanent OEA, qui n'ont pas qu'être ambassadeur là-dedans, les condamner toute désinformation que la République dominicaine a fait sur Haïti. Et les bail à ministre affaires étrangères de la République dominicaine, non? Vraiment, ils ont une réponse qui a dit qu'ils musclaient. Quand elle dit, monsieur, comme ça, que WAP dit qu'il n'y a pas de bonne information, mettez une réunion 27 mai 2021 qui était faite, et après réunion, une déclaration conjointe, quand on dit que, après, fin garder toute information que Haïti bon, que ça qu'a fait là, c'est pas un bagage qui peut dévier la rivière là, c'est pas un bagage qui est dommageable pour la République Dominicaine. Et ensuite, ça, il y a fait, c'est dans le respect traité 1929 là. Monsieur a montré que Parti Dominicaine, là, ambassadeur Charles a montré que Parti Dominicaine là, vient balancer le menti là. Et moi-même, m'a suivi.